Yeah, you could say that again. Stand by, please. 3, 2, 1. Okay. Mel, I was reading about you in GQ magazine. I'm sure you've heard a lot of people reading about you. But when you're preparing for an interview, and one of the first things you read is, Mel Gibson is one tricky, complicated guy that scares you to death. I think you scared the writer of that article. I did. I think you did. I didn't mean to. I liked her. I thought she was great. Do you think you intimidate some people, though, because you are, you do look intense on camera a lot in the roles you play? Oh, I think perhaps physically, but I think once you start to jaw with me a bit, I certainly don't try to intimidate. But you're really kind of an Australian farmer with a house full of kids, right? Basically. Qui aurait pu déceler, il y a plus de 30 ans, que derrière ce regard bleu azur, ce charme ravageur et cette beauté fascinante, se cachait une âme tourmentée. De toute évidence, la personnalité de Mel Gibson a fait de lui plus qu'une superstar d'Hollywood. Un être complexe, insaisissable. Got a headache, let's go. Oh, that's not good. Well, you have water right next to you if you need to go. Coffee should fix the headache. C'est à Sydney, en Australie, dans une école catholique à la fin des années 60, que se joue le destin d'un jeune émigré américain. Ses camarades se moquent sans arrêt du Yankee. Alors, pour mieux s'intégrer et supporter un quotidien difficile, Mel utilise son charme comique naturel. Were you class clown when you were a kid? I was a little bit of a cut-up, yeah. I was always pulling some kind of stunt in order to confuse the teachers, or, you know, there was a thing I used to do. They were fake fights and things. We used to stage them with people being flung over desks and having their heads bashed into lockers. And so that was just your way of getting attention? I guess so, yeah. En dernière année au lycée, il semble n'avoir aucun but, aucune aspiration. C'est alors que sa sœur aînée décide de prendre les choses en main. Elle l'inscrit en secret à l'Institut national des arts dramatiques de Sydney. Mais Mel n'est pas certain de vouloir être acteur. That was when I said to my audition guy, the first day I went to audition for a national institute, He said, why do you want to be an actor? And I couldn't think of any snappy answers, so I said, well, I've always kind of liked goofing off, so I thought I might as well get paid for it. And he took me on that basis. He said, that's quite valid. Alors qu'il est encore étudiant à l'Institut national des arts dramatiques, Mel Gibson obtient son premier rôle au cinéma dans un film australien à tout petit budget, Summer City. Si le film ne marque pas les esprits, l'acteur y dévoile son charme, un physique avantageux et un talent naturel. So, if you got any problems or worries or anything like that, you just, there's the place to go. Or just take them all out there and thrash it out on the waves. Mais ce gamin qui ne pense qu'à profiter des bonheurs d'une vie insouciante, pouvait-il se douter qu'il allait devenir, 3 ans plus tard, une véritable star? Right, there's nowhere to go. It's all there already, mate. Mad Max sort en Australie en avril 1979. Max. 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 À 23 ans, le jeune acteur interprète avec une intensité extraordinaire ce personnage solitaire qui se bat pour la justice dans un monde dominé par le mal. Pour beaucoup, c'est une révélation.
Y incarnant un flic futuriste désirant venger la mort de sa femme et de son enfant, Gibson y montre déjà un goût prononcé pour les rôles extrêmes. La violence et la vengeance. I want to know what you're doing. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Ce film de science-fiction post-apocalyptique dont il est la vedette est le film australien le plus rentable de tous les temps. Et ce rôle de tête brûlée, en décalage avec les valeurs qu'on lui a transmises, il en connaît les rouages depuis son enfance. Né en 1956 dans une petite ville de l'État de New York, Mel est élevé au sein d'une famille nombreuse, dominée par un père strict et autoritaire, employé des chemins de fer, aux convictions catholiques ultra-conservatrices. Vétéran de la guerre du Pacifique, son expérience du combat fait d'Hutton Gibson un antimilitariste réfractaire à tout conflit. Et lorsqu'en 1968, Kevin, son fils aîné, atteint l'âge pour être enrôlé pour la guerre du Vietnam, il décide d'emmener toute sa famille en Australie, pays natal de sa mère. I don't think it was like an escape mode because you could take us to Australia, we'd still get drafted. Yeah. I mean, there was nothing to stop you. Australia would draft you. But when the Australians fought in the war. Yeah, they did. And he said, but the reason he thought it was a good idea is to give you a year longer. Yeah. They wouldn't take you until you were like a year older. Yep. Something may change by then. Yeah, something might change by then, and you'd have another year on you. You wouldn't be some kid. I mean, well, I've got two 18-year-old sons now, and the thought of them going off someplace in a crazy war. No, come on. I mean, yeah, it wasn't really a dodge. It was just, you know, just a postponement. Sure. C'est aussi pour Hutton Gibson le moyen de protester contre la décadence morale qu'il voit dans la transformation des mœurs de la société américaine. Terre d'un nouveau départ, l'Australie l'est définitivement pour ce fervent catholique qui s'enfonce dans l'extrémisme religieux. Il devient un fervent défenseur du cédévacantisme, courant soutenant que tous les papes désignés depuis la mort de Jean XXIII en 1963 sont des usurpateurs, et que le Concile du Vatican est un complot maçonnique soutenu par les Juifs. À un âge où les âmes se forment, Mel Gibson est tiraillé entre le cadre offert par son éducation et sa famille, qu'il ne cessera de placer au-dessus de tout, et une vie d'excès et de tentation. À 15 ans, le farceur de la tribu Gibson devient Mad Mel, surnom emprunté à un DJ qui sévit sur la radio de Sydney, 2WS. Son quotidien est fait de canulars, d'insultes, de bagarres, de cigarettes et d'alcool. La bataille immuable entre le bien et le mal qui poursuivra l'acteur durant de longues années. Le succès phénoménal de Mad Max doit beaucoup à son acteur principal, qui incarne un personnage dont la déchéance fait peur. On croyait voir un héros, on découvre un vengeur implacable et cruel qui tue ses ennemis jusqu'au dernier. Le public s'imagine que Mad Max et Mel Gibson sont les deux revers d'une seule et même pièce. Fou à l'écran, fou et demi à la ville. Et lorsque Mel, accompagné du réalisateur George Miller, est interrogé sur son personnage, c'est forcément de lui qu'il parle. He essentially, we describe him as a closet human being. That means it's like a closet drinker or anything. He finds interacting with other people a threat to his survival. His prime objective is survival. And he follows
his he follows whatever he has to. I mean, he's usually pushed around by his environment. He is a reluctant hero. He doesn't go out to commit acts of heroism, but he finds himself placed in a position through circumstance, through the scenario, which I often find hilariously funny, where he has to act in a certain way. And he usually does this heroically. He's a tool of a greater cause because he has a skill, physically perhaps, a skill for winning. Contre toute attente, Mel Gibson, acteur totalement méconnu, est propulsé au rang de star du cinéma. Et lorsque Mad Max 2 sort aux États-Unis, le film rapporte plus de 23 millions de dollars. Désormais, Mel est aussi célèbre dans son pays natal qu'en Australie. Mais le succès à l'écran a des répercussions sur sa vie privée. Pendant le tournage du film Gallipoli, l'acteur est obligé de faire un véritable sacrifice. Sa femme Robin, épousée un an plus tôt, ayant dû rester en Australie, il est contraint d'assister à la naissance de son premier enfant par téléphone. Pour lutter contre le stress et la solitude des longues journées de tournage, il se réfugie dans l'alcool. En 1983, dans l'année de tous les dangers, il incarne un journaliste australien pris dans la tourmente politique en Indonésie. Un personnage tout en nuances qui permet de démontrer l'étendue de sa palette d'acteurs. Il montre qu'il est capable d'exprimer des émotions, de jouer des scènes d'amour, de faire rire. Green stuff usually has ice, doesn't it? Get me another once. Dans le cinquième remake du Bounty, Mel Gibson continue de créer sa légende. L'habit lui va comme un gant. Il lui va d'autant mieux lorsque la chemise, savamment trempée, découvre un torse impeccablement dessiné et tanné à l'huile de noix de coco. L'œil azur et le regard sûr, la natte élégante et la démarche sensuelle, le clin d'œil mutin et le sourire irrésistible. Pas besoin de longs discours. Un héros, un vrai, qui sait mettre l'honneur derrière le cœur quand urgence fait loi. Fin 1984, George Miller annonce le début du troisième volet de sa saga, Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. La partenaire de Mel est une légende de la soul, Tina Turner. Le réalisateur signe un film d'aventure divertissant, accessible au plus grand nombre, nettement plus commercial. Mais là où la franchise Mad Max perd en intensité, Mel Gibson gagne en crédibilité, en atteignant les sommets de l'acteur bankable. Pour ce rôle, il empoche un cachet $1 million, une première pour un film australien. This time maybe have
Mais il semble qu'il soit arrivé au bout d'un cycle. I'm going to take a break. I have to air out. You see, I've been working too hard. See, can't you see that beneath this cool exterior is the soul of a tortured human being? And I have to take a holiday because you have to try something else and then come back maybe in a year or two and with a new resource, with a new energy. La publicité énorme qui entoure le film aggrave les problèmes de l'acteur qui souffre de plus en plus de sa célébrité. Celui qui sera élu l'homme le plus sexy de la planète par le magazine People en 1985 est rongé par un mal-être qu'il a du mal à contenir. Pour faire face, il se met à boire. De plus en plus. I mean, my wife was telling me for 10 years, why do you drink so much? You know, and it's like, you know, that kind of thing. And it's, and she said, I think you might have a problem. And I'm kind of, you're out of your mind. I just like a drink. and she was right, you know. It's something that you have to mature and just think, well, you know, I got to get over that. There's also a story, too, about that your co-star in one of the Mad Max movies, the Thunderdome one, Tina Turner, she also pulled you on one side, didn't she? And had a... Oh, yeah. Oh, she saw it firsthand, of course. I mean, she stayed with a man who was horrible to her. That's right. And she'd seen it, you know. Well, ain't we a pair, Raggedy Man? She handed me a photograph of myself one day. And she'd written on it, you know, with an eyebrow pencil or something. She said, don't F this up on the picture. And I'm like, oh, what does she mean? It wasn't too long after that I figured out what she meant. You did, yeah. C'est finalement sa femme, Robin, qui va l'aider à se ressaisir. Elle le convainc d'acheter un ranch en Australie et de s'éloigner momentanément d'Hollywood avec leurs 4 enfants. Pendant presque 2 ans, la superstar élève du bétail dans une ferme de 320 hectares cachée à 350 km de Melbourne. Un lieu baptisé Karinya, foyer heureux en langue aborigène. Were you fed up with the whole thing? No, I always knew that I'd come back, but yes, I was fed up. To put it quite bluntly, I was fed up and up to here. So I just thought I'd go away for a little while. Why did you choose Lethal Weapon as a comeback film? Well, I wasn't going to choose anything. I was just going to stay out of work for as long as I was going to stay out of work, and that brought me back. I just read it, and I liked it. And I thought, well, I was getting itchy feet again, so off I went. Mm-hmm. Had to travel. En 1986, il retrouve le chemin des studios pour un personnage de flic atypique, auquel il s'est tout de suite identifié. Martin Riggs, un ancien du Vietnam, totalement incontrôlable. Riggs est un flic solitaire et alcoolique, à la personnalité instable. Un personnage dont Mel Gibson se sent particulièrement proche. L'acteur est fatigué, déraciné, incapable de s'adapter à cette Amérique qui est biologiquement sienne. Si son personnage de Mad Max, campé à 3 reprises entre 1979 et 1985, était toujours sur la brèche, celui de Martin Riggs est franchement suicidaire. Où l'absence de vie bascule vers un désir de mort. Dans cette scène culte, le script ne comporte pas de mention. Riggs met le canon de son Beretta dans la bouche.
geste totalement improvisé par Gibson. L'acteur semble avoir passé un cap dans la folie. A lot of people have said this, that this is a guy who has rage within him. Rage within him is what they say. There's a meat axe guy in there someplace. He's a I don't know how to I don't really understand it. I think there's such a thing called ancestral chi. Yeah. Some chiropractor once got into a file on me once, and he was like, hey, ancestral chi. Yes. I'm like, what are you talking about? What kind of crap is that? He's like, well, you get it from your mother, and she got it from her grandfather, and it's just through the generations, you are the sum of everything that went before you in your line. Yeah. But the part of it, do you think it's something you can touch as an actor, that's something that you know is there, that you can reach? Yeah, there's a madness. There's an insanity. I think we're all who's normal? Who's sane? Sane? And what is sanity? Sanity is, I think, being able to keep a lid on the mad boy. Sure. To keep everything in balance. Yeah, sure. We're all capable of nuttiness. You want to die? I don't. I'm not afraid of it. I ain't afraid of it. Here, take my gun. Don't nibble on the barrel. Pull a trigger. Go ahead, pal. Be my guest. Go ahead if you're serious. You shouldn't tempt me, man. Put it in your mouth. Bullet might go through your ear and not kill you. Yeah, under the chin. Si L'Arme Fatale est un énorme succès, il le doit en grande partie à son duo Mel Gibson-Danny Glover, qui s'entendent comme larrons en foire, posant ainsi les jalons du buddy movie. Ow! Pas une mince affaire à l'origine, puisque Glover est un partisan de la méthode et que Gibson ne goûte que peu le système Actor Studio. I mean, it's good to talk about it. A rehearsal in that sense is good, but to actually sit down and kind of study the lines and do all that sort of stuff, it doesn't work because they never stay the same anyway. They always change. I mean, I just grab at straws, you know. I'm just beneath the surface clutching at straws, you know, just trying to pick up some thread that hopefully leads somewhere. But, I don't have to get too psyched up about it. I like to stand away from it a little bit, even when I'm doing it. Try and be outside it a little. Because, I mean, you can't become someone else. You just can't do it. You are always you, no matter what you're doing. Even you imagining being someone else is you. And you can only use aspects of yourself. That's all you've got. You are your own instrument. You have got nothing else. Grâce à L'Arme Fatale, l'acteur devient autre chose qu'un simple animal qui laisse le regard d'acier dominer la parole, en alternant savamment humour et drame. Et ce, à l'écran comme en coulisses. Hey, Mel. En acceptant de tenir un journal vidéo pour la chaîne HBO, l'acteur s'en donne à cœur joie pour enchaîner des sketchs qu'il met en scène avec les comédiens du film sous la forme d'un faux making-of. Comme un pied de nez à Hollywood. Did Mel ever get out his red nose? His red nose. Supposedly, according to a journalist, he has a funny nose. Oh, yeah! That little ball he puts on the end. Yeah, but Mel is always doing. Mel is one of the funniest young men I've ever worked. He's an actor that I'm dying to do a really straight-out, wonderful, broad, rich comedy with. Oh, I remember one with Pesci where we, Chris Rock and I. Oh, yeah, this is heinous. well, heinous is almost the word for it. We Polaroided our posteriors with very fine Cuban cigars protruding from them. And then
we went and gave Pesci a cigar, and he was like a cigar aficionado. He's going, wow, these are like, and he's like, lights it up, and then we showed him the Polaroid. Like, it's sophomoric, crude, silly stuff, but like it amused us, you know. I guess we got way too much time on our hands there. And so. Dans ce sketch avec l'acteur Joe Pesci, Gibson se paie même le luxe d'humilier celui qui incarne à l'écran les gangsters de la mafia, cher à Martin Scorsese. Mr. Joey Pesci, or what do we call you, Joe? Not Joe. Joe's good. Joey Pesci. Well, some of you perhaps remember Joey. He was in Raging Bull. He did some great scenes. He worked with Robert De Niro in Raging Bull. They did some great scenes. I remember. Pour Mel, tout est bon pour désacraliser le cinéma. No, that was the movie. That's in the face. Right? Oh no, no! Come on, that was the movie. Come on, that was the movie. That's the scene. But Robert and I worked it out. Don't do that. Come on, hit me. Oh, oh God, Joey, I'm sorry. You Chris Gibson, I'll kill you. I'll hit you. Oh. God, I hope nobody saw that. What are your projects? I haven't got anything on the horizon. You're very spontaneous about choosing the things. Yeah, I usually find that that's the way that things happen is very strange. Indeed, so I don't like to push it. Like I say, if you relax, it all comes out somewhere. So, there's no sweat. I've got a production company and I'm developing things. Yes. Down in Australia. But that's still in its infancy, and I don't know where that's going to lead us yet. To financial ruin, maybe. Maybe not. Icon Productions, donc. Un nom qui synthétise à lui tout seul la légende du roman gibsonien. Dans le premier film qu'il produit, Hamlet, le terme icon prend tout son sens. Il décrit tout autant le statut grandissant de star hollywoodienne de l'acteur que la représentation d'une figure chrétienne. Biberonné au grand classique de la littérature anglo-saxonne lors de son passage à l'Institut des arts dramatiques de Sydney, il veut un rôle de l'envergure de Hamlet. A villain kills my father, and for that, I sole son to this same villain sent to heaven. Et c'est avec ses propres économies qu'il se l'offre, dans une nouvelle version du réalisateur italien Franco Zeffirelli. Salary, not revenge. Mel Gibson peut désormais devenir l'acteur qu'il a toujours souhaité être, tout en créant une alternative au système des studios. Libre et indépendant. No. Avec L'homme sans visage, sa première réalisation, Gibson s'éloigne des rôles d'hommes forts et séduisants qui ont construit sa carrière d'acteur. L'image que lui renvoie le miroir est celle d'un homme avec un handicap majeur, celui de ne pas être comme tout le monde. Un film sur la tolérance, dont il tient le rôle principal. Have a good look. Get it over with, and we'll continue. Enough? Celui d'un enseignant défiguré qui se prend d'amitié pour un petit garçon sans père. In any right-angled triangle, the square which is described. Ce premier opus se voit couronné d'un succès d'estime et d'une critique positive. De quoi lui donner la confiance nécessaire pour s'attaquer à un premier projet d'envergure hollywoodienne. Braveheart, le second film de Mel Gibson réalisateur, retrace le destin héroïque de William Wallace, protagoniste des premières guerres d'indépendance écossaise à partir de 1296. Dans cette scène où Wallace vient affronter seul sur son cheval l'armée britannique, c'est Gibson le producteur qui vient défier Hollywood. Devant les difficultés qu'il a rencontrées pour trouver des investisseurs, Mel Gibson a dû se résoudre à incarner le héros écossais, malgré leurs différences d'âge. Wallace est mort à 33 ans,
Gibson est alors bientôt quadragénaire. Le tournage dans les contrées entre l'Écosse et l'Irlande est particulièrement difficile. Les décors naturels détrempés par de fortes pluies et une brume envahissante compliquent chaque jour davantage la tâche de l'équipe technique et des comédiens maquillés à la boue et à la crasse. Moi. Dans ce film épique et spectaculaire, se déchaîne tout le génie créatif de Mel Gibson. Les scènes de bataille sont chorégraphiées au millimètre, sans pour autant donner une quelconque impression d'esthétisme irréel. Transpercés de toutes parts, les hommes tombent dans un énorme bain de sang, la caméra s'en retrouvant parfois même éclaboussée. Le réalisateur installe les thématiques de sa future filmographie. L'homme seul qui s'oppose à la violence et l'injustice. La souffrance physique et morale comme catharsis, mais aussi le sacrifice de l'historique au profit de l'homérique. Début 2000, il semble que Mel Gibson ait réalisé les rêves de n'importe quel acteur ou réalisateur. Apaisé, il apparaît à l'écran dans une comédie romantique. À l'opposé de ses rôles de films d'action. L'acteur joue avec son corps, avec une légèreté et une décontraction qui laisse penser qu'il est enfin pleinement épanoui. En paix avec lui-même. Loin, très loin d'imaginer qu'il allait bientôt presque tout perdre. Lorsqu'il annonce que son prochain film en tant que réalisateur racontera les dernières heures du Christ, Hollywood s'inquiète du potentiel scandaleux d'un tel sujet entre les mains d'une forte tête. Crainte confirmée quand il révèle qu'il ne jouera pas dans le film, que celui-ci sera extrêmement violent, décrivant dans les moindres détails les tortures et supplices infligés au Christ. Et que les dialogues seront en latin et en araméen. Aucun studio n'étant décidé à investir dans le projet, il décide d'y consacrer 30 millions de sa fortune personnelle. Did you ever think it was too much? Of course it was too much. Yes, that was the whole point of it. It was the mystery of suffering. And which is the sacrificial lamb, you know. I mean, if it was easy, it isn't worth much. Believe me, I did a lot of research on it, and according to all the research, it was way worse than that, anything I showed you. So, it was worthwhile. Mais entre-temps, une polémique a fait surface. Avant même que le film ne soit tourné, son scénario est taxé d'antisémitisme par certaines organisations juives, notamment à cause de sa manière de stigmatiser les prêtres du Sanhédrin. Ceux-là même qui ont condamné Jésus. Vous avez compris la polémique qui a suivi justement de la sortie du film La Passion du Christ, par exemple? Oh, it absolutely took me by complete surprise. Moi, ça m'a pris entièrement par surprise. J'ai pas pu comprendre. C'était une histoire que chacun peut lire le soir dans sa chambre d'hôtel, dans la Bible. Et on m'a dit que j'avais menti, mais non, tout est là, noir sur blanc, dans chaque chambre d'hôtel du monde. Et je me demandais où était le problème. Parce que moi, je m'en suis tenu au livre. Mais ce n'était pas une histoire que j'ai inventée moi-même. J'ai simplement essayé de répliquer ce que j'ai lu sur l'écran
de montrer cela légèrement différemment et de ne pas dévier de ce qui était écrit. Donc ça m'a vraiment surpris, toute cette polémique. Ne plus projeter la passion, et puis quoi encore? Ce film est antisémite et il doit être enlevé de l'affiche. C'est insensé, Mel Gibson est un homme religieux et intelligent, il n'y a rien d'antisémite dans son œuvre. Il a redonné beaucoup de force à notre foi dans le Christ. Il a poussé un petit garçon juif à demander qu'on présente des excuses pour la mort de Jésus-Christ. Signe d'une véritable fracture d'opinion, la polémique suscitée par la Passion du Christ est au cœur d'un épisode de South Park, la série d'animation pour adultes la plus regardée à l'époque, et intitulée « La Passion du Juif ». C'est pas vrai ! Bordel, Cartman, tu me feras pas encore mourir cette fois-ci ! Ah, vous voyez les mecs, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas emmener de Juifs en reconnaissance, ils sont mauvais joueurs. Tu parles pas des Juifs, gros lard, d'abord t'y connais rien ! Oh putain, ça recommence ! Ah ouais ? J'ai vu La Passion du Christ au cinéma, et Mel Gibson il dit dans son film que les Juifs, eh ben c'est le diable ! Non, il a pas dit ça ! Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai vu La Passion du Christ 48 fois en tout, Kyle, tu l'as pas vu une seule fois ! Il y a une scène où les Juifs ont une chance de sauver Jésus, et tu sais ce qu'ils font ? Ils libèrent Barabbas, un serial killer à la place de Jésus, et ça les fait rigoler ! C'est des conneries ! Eh ben va voir le film. Do you, I mean, because you were so much the insider as a movie star, and in some ways so much the outsider in these films, does that, is that who you are? I mean, is that better to be the outsider? That's what we're supposed to do. You're supposed to, as an artist, you're supposed to do that. You're supposed to shove the boundaries, and you're supposed to do stuff that's out there. And you're supposed to do stuff that makes people uncomfortable, maybe. Mm. I mean, that's your job, I mean, I think. You know? De leur côté, les journalistes n'ont pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver l'origine des opinions extrêmes du réalisateur sur la religion. Son père, Euton Gibson, avait passé toute sa vie d'adulte à transmettre son catholicisme radical auprès de ses enfants. Ses déclarations révisionnistes, niant l'Holocauste, dans un article du New York Times Magazine, jettent de l'huile sur le feu. Aux yeux de beaucoup d'observateurs, les croyances religieuses et politiques de Mel Gibson sont simplement une extension de celles de son père. À la croisée de la liberté d'expression et de la vérité historique, certains journalistes et critiques évoquent un risque important de voir se banaliser une perception singulière de l'histoire par Mel Gibson. Mais le public répond présent. Les congrégations religieuses et des milliers de spectateurs se précipitent au cinéma. Le film est un succès planétaire, en dépit des critiques qui dénoncent sa violence. Une violence qui trahit moins sa volonté d'être réaliste qu'une expression de ses propres luttes intérieures. La violence comme une rédemption. I have an alter ego in me called Bjorn. Bjorn. Uh-huh. Yes, yes. And Who is Bjorn? Bjorn is just the kind of like, you know, pillaging sort of Viking. In I think he's in you too. You have an S-O-N on the end of your name, right? Yeah, he's so way back in the dark ages somewhere. I mean, the sins of the father visited on. I know that something is wrong there. But Bjorn is a, you know, he's an axe murderer. He gets off a boat and chops up convents, you know. So Bjorn's still there? Bjorn's there, but I've done a lot of damage to him. Not only that, but I've managed to subdue him, dig a shallow grave in my imagination, insert him in the grave, and every now and then you just got to go out the backyard, get a few shovels full of dirt, throw it on top and tamp it down just to keep... Because I tell you, I don't want to be Bjorn again. Or Bjorn. But... Diagnostiqué bipolaire, souffrant d'un trouble dissociatif de la personnalité, Mel Gibson vit donc en permanence sous la menace de Bjorn le Viking, son alter ego maléfique. Un second moi qui va faire parler de lui en juillet 2006. Actor Mel Gibson's conviction stemming from his notorious 2006 drunk driving arrest is being expunged. Gibson was arrested for driving drunk in Malibu in July of 2006, and during the arrest, the actor-director made derogatory comments about Jews and women, tried to escape, and repeatedly threatened the arresting deputy. Parmi les propos de Gibson sur les Juifs, une phrase va faire scandale. L'acteur va devoir s'en expliquer devant des millions de téléspectateurs sur la chaîne ABC.
Malgré des excuses publiques, la promesse de soigner son alcoolisme et une condamnation à 3 ans de probation, le sort de Gibson à Hollywood est réglé. Mais pire encore, dès le lendemain de l'incident, sa femme Robin, soutien depuis toujours et mère de ses 7 enfants, le quitte. Pour son nouveau film, Mel Gibson ne choisit pas son titre au hasard. En langue grecque, Apocalypto signifie « nouveau départ ». L'acteur n'est plus l'apprenti réalisateur qui veut bien faire, ni l'apôtre qui laissait transparaître ses convictions dans un métrage à gros budget. Il s'efface totalement pour diriger des acteurs non professionnels dans un film d'aventure qui traite du déclin de la civilisation maya. But you're out there for those two exchanges. I want to see you smiling and enjoying it, laughing. Okay. Tourné en grande partie en Amérique centrale, le film propose une aventure immersive où d'illustres inconnus parlent le Yucatec et côtoient tour à tour le grandiose et l'ultra-violence. Don't hit him hard with it. You know, I mean, still miss him, but you can at least make a little contact. Okay. Derrière la caméra, le réalisateur conserve un contrôle total sur une mise en scène truffée d'audace et de mouvements de caméra toujours plus ambitieux. Avec son meilleur film jusqu'à ce jour, son statut de cinéaste est définitivement acquis. Apocalypto de Gibson peut alors céder la place à l'apocalypse de Mel. 4 années vont s'écouler sans le moindre projet pour l'acteur controversé. Ses déboires avec la police et ses déclarations antisémites lui collent à la peau. Et lorsqu'il revient sur le devant de la scène avec « Hors de contrôle », un thriller d'action réalisé par Martin Campbell, il semble qu'on s'intéresse plus à son passé qu'à son actualité. I was wondering whether you're sort of being forced now to work independently and outside of the system, or whether you're able to sort of go back to all the same relationships that you've had based on your scandal. Well, you know, it just happens. You know, hey, look, it's 30 years I've been at this game, all right? And 30 years I've been in the public eye. And it's 30 years ago that I lost my own personal anonymity. Right. And you can't get that back again, ever, okay? And it's 30 years ago that public humiliation began. And sometimes it reaches a global level. And what doesn't kill you makes you stronger. And I'm telling you right now, I'm one strong mother because I'm right back at you. En 2010, un site tabloïd diffuse des enregistrements téléphoniques de Mel Gibson au milieu d'une dispute explosive avec sa nouvelle compagne, mère de son 8e enfant. Yes. Stay on this phone and don't hang up for me. I can. I have plenty of energy to drive over there. You understand me? And I will. You need medication. I need a woman, not a little girl with a dysfunctional. I need a woman. I don't need medication. You need a bat in the side of the head. All right? How about that? Ces paroles, proférées dans un état second, sous l'emprise de l'alcool et de la colère, sonnent le glas d'une carrière qui avait jusqu'alors survécu à de nombreux scandales et dérapages. À Hollywood, des patrons de studios prennent la décision de le boycotter et le font savoir. Convoqué devant la justice, celui qui avait toujours su préserver son cercle privé connaît la plus grande épreuve de sa vie. No contest pursuant to People v. West. Okay. Imposition of sentence is suspended. You are placed on summary, that's informal probation, for 36 months on the following terms and conditions. You are not to annoy, harass, or molest anyone involved in this case. You are not to threaten anyone. You're not to use force or violence against anyone. Is it good to seek the past, Master Poe? Is it not right, the present? C'est dans la peau d'un homme atteint d'une dépression profonde que Mel Gibson a l'occasion de revenir sur le devant de la scène en tant qu'acteur en 2011. Here. There you go.
moved. Malgré son échec commercial, le troisième long métrage de Jodie Foster est pourtant révélateur du mythe gibsonien. Mad Mel ose y dévoiler les facettes d'un acteur à la carrière et la santé mentale qui vacille. Actually, I asked Mel to present this award to me for a reason, because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope and he urged me to find my faith. Malgré tout, il reste quelques personnalités fidèles à Mel Gibson dans le milieu. De vrais amis, aux opinions politiques bien souvent diamétralement opposées, comme Jodie Foster, Danny Glover ou Robert Downey Jr., qui continuent de le soutenir et de militer pour sa réintégration au sein d'Hollywood. Il a dit que si j'avais accepté la responsabilité pour mes wrongdoings, et si j'avais embrassé cette partie de mon âme qui était ugly, hugging the cactus, he calls it. He said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility and that my life would take on a new meaning. And I did, and it worked. So anyway, on this special occasion, and in light of the recent holidays, including Columbus Day, I humbly ask that you join me, unless you are completely without sin, in which case you picked the wrong industry. In forgiving my friend his trespasses, offering him the same clean slate you have me, and allowing him to continue his great and ongoing contribution to our collective art without shame. He's hugged the cactus long enough. Six ans après ce plaidoyer retentissant, les choses commencent à s'inverser. En 2017, sa nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film « Tu ne tueras point » retentit comme le premier signal d'un possible retour en grâce. Le sujet est on ne peut plus gibsonien. Une histoire vraie, celle de Desmond Doss, guerrier sans armes, infirmier plongé dans une boucherie, qui livrera sa bataille spirituelle en soignant les blessés sans porter ne serait-ce qu'un couteau. Give him a shot of morphine and move on. He's not gonna last a day. Please, please, Doss, no, no. Please don't leave me. I ain't going anywhere. I'm gonna get you home. I got you, Al. Okay? I'm gonna get you home. I've been proudful. Son héros est tourmenté non par ses doutes, mais par ses convictions que le monde lui refuse. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. Much less how you could live with me. Ce dialogue résonne comme une profession de foi. Tout comme Desmond Doss, Mel Gibson n'a pas l'intention de trahir ses croyances. Mieux, il persiste et signe. What the hell is your delay, Captain? You're supposed to begin that assault 10 minutes ago. We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss to finish praying for us, sir. Private Doss is praying for you. Who the hell is Private Doss? S'identifiant pleinement à son héros, icône martyre et christique, le réalisateur de « Tu ne tueras point » clame qu'il n'a besoin que de sa foi, de ses convictions et de son courage pour remporter sa bataille personnelle. Mel Gibson est sur la voie de la rédemption. Mais son goût du risque ne le quitte pas. Son prochain projet cinématographique le ramène sur une route à connotation religieuse, celle-là même qui a entaché sa carrière. Intitulé « Résurrection », ce film se veut être une suite à la Passion du Christ et racontera la vie du Messie après son calvaire et sa crucifixion. Gibson ressuscité, tout un symbole.